Les différents types d'assemblées générales. Les assemblées générales et les assemblées extraordinaires. Il est aisé de distinguer les assemblées générales ordinaires des assemblées générales extraordinaires. La première est l'assemblée annuelle obligatoire qui statue notamment sur les comptes de la copropriété, tandis que la seconde constitue une assemblée supplémentaire qui peut être convoquée chaque fois que la bonne administration de l'immeuble nécessite une décision ne pouvant pas attendre la prochaine assemblée annuelle. Puis, il y a les assemblées particulières. Qu'est-ce que les assemblées particulières ? Ces assemblées particulières sont composées de certains copropriétaires seulement. Les participants se rencontrent en présence d'un syndicat secondaire. Son assemblée générale est alors composée des seuls copropriétaires de l'immeuble en question pour prendre des décisions relatives à la gestion, l'entretien et l'amélioration du bâtiment, comme stipulé dans la loi 65-557 du 10 juillet 1965, article 27. Également, lorsque l'immeuble comporte des parties communes générales et des parties communes spéciales, notamment lorsque le règlement de copropriété a instauré des parties communes spéciales à certains copropriétaires, ceux-ci ont la propriété indivise, même en l'absence de syndicat secondaire. Les décisions relatives à ces parties sont prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires, seuls prenant part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. Par exemple, la décision d'aliénation d'une partie commune spéciale ne peut être décidée que par les copropriétaires du bâtiment concerné. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La question de la forme que peut ou doit prendre l'assemblée spéciale de copropriétaires de partie commune spéciale est discutée si les copropriétaires ne sont pas réunis en un syndicat secondaire. Il peut s'agir d'une assemblée générale spéciale, regroupant les copropriétaires détenant une quote-part des parties communes spéciales ou d'un collège particulier au sein de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Les assemblées restreintes de l'article 10, dernière alinéa, de quoi s'agit-il ? Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires des charges spéciales, dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement notamment, il peut prévoir que ces propriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote alors avec un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses. Bon à savoir, l'article 10, dernier alinéa, s'est substitué depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 à l'article 24 et a supprimé la référence aux dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble, dépenses qui supposent, pour être mises à la charge de certains copropriétaires seulement, la création de parties communes spéciales dans le règlement de copropriété comme précisé dans la loi 65-557 du 10 juillet 1965, articles 6.2 et 6.4. Les assemblées spéciales. Indépendamment des assemblées particulières que je viens de vous décrire, qui sont permanentes, la loi du 10 juillet 1965 a prévu la tenue d'assemblées spéciales pour la réalisation d'objectifs différents de caractère ponctuel. La loi du 10 juillet 1965 impose expressément la tenue d'une assemblée spéciale ne regroupant que les copropriétaires concernés dans plusieurs cas bien définis. La création de syndicats secondaires, la scission de copropriété, la vente du droit de surélever et la reconstruction d'un immeuble sinistré. Les assemblées spéciales obéissent aux mêmes règles de forme que les assemblées générales, comme stipulé dans le décret du 17 mars 1967, article 20.